Salut tout le monde, c'est Jordan. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo que j'ai décidé à l'instant. Tout simplement qu'en fait vous voyez que mon let's play sur Random n'avance pas et le modder ne se bouge pas pour mettre son mod à jour. J'ai eu la bonne idée il y a très longtemps de mettre un putain de mod d'unité, pardonnez-moi. Qui fait qu'il ne se met pas à jour, ce qui fait que je ne peux plus lancer ma campagne. Et donc du coup de mon côté j'essaye d'en refaire une. Je suis en train de refaire la campagne de A à Z. J'essaye de faire à peu près pareil, à peu près les mêmes déplacements. Mais bon, c'est pas si facile que ça. Quand je vais reprendre la campagne, en fait je pense que j'aurai simplement le même nom de ville, j'aurai le même territoire, mais l'économie et tout ne sera pas pareil. Si ça vous dérange, dites-le moi, je ne le ferai pas et j'abandonne ce let's play. En attendant, je fais un nouveau let's play qui va compenser celui qui n'avance pas. Donc j'ai choisi Carthage tout simplement parce que on va mettre la campagne en difficile. Simplement parce que on fait Rome, pourquoi pas faire l'ennemi juré de Carthage, de Rome plutôt, donc c'est Carthage. Donc voilà, donc pour moi on va faire cette petite campagne avec les Carthaginois. Donc par contre je sais pas encore si je prends, je sais pas encore quelle dynastie je vais prendre. Alors ici soutien populaire, bonus d'ordre public plus 4 maximum conféré par la présence de la culture punique. Ok. Ok, donc là c'est plus tout ce qui est diplomatie. Ok, tout ce qui est diplomatie politique plutôt. Ici c'est vraiment la population, l'agriculture, la société quoi. Et donc on va prendre ici pour ce qui est plus militaire, vous voyez, point de fer, moins 20% de résistance de l'occupation étrangère, etc etc. Donc il y a de la corruption, c'est ça le malus. Donc voilà, donc on va faire ça, paramètres, voilà, déplacement de vie limité, voilà. À la base je suis bien en condition, ouais, victoire militaire, d'accord. À la base je devais faire un let's play avec les jets. Je l'avais commencé mais ma vidéo a planté. Mais finalement non, je me suis décidé, puisque je devais refaire l'épisode, puisque ma campagne avec les jets avait planté, je devais refaire le premier épisode. Mais j'ai décidé qu'en fait non, je préfère faire une campagne avec les Carthaginois. Parce que c'est une faction que je ne joue que très très peu. Je n'ai jamais fait vraiment de campagne avec Carthage et pourquoi ne pas en commencer une avec vous. Donc tout d'abord je préfère le dire au tout début, j'ai balancé un let's play, enfin une idée de let's play sur ma vidéo sur Men of War qui a d'ailleurs très très bien marché. Ça fait peut-être 2 ou 3 jours qu'elle est sortie, j'ai 60 vues et quelques à peu près. Je vous remercie beaucoup, je vois que ça vous plaît, j'en ferai d'autres. Je vous ai balancé une idée de let's play sur Men of War. Donc pourquoi pas faire la campagne de Russie sur Men of War Assault Squad. Il n'y a personne qui m'a encore cité de faction. Parce que oui, je disais campagne de Russie, mais en fait je vous laisse choisir la faction que vous désirez. Personnellement j'aurais préféré faire la campagne de Russie parce que c'est celle que j'ai le moins avancé. Puis j'ai fait la première mission avec vous, je n'ai pas encore fait la deuxième. Donc voilà. On va pas lire tout ça, on sait ce qu'on a à faire. Hop, donc voilà, donc on a 2500 contre les 3 provinces, ok d'accord. Alors, on fait tout de suite ça. Alors, là c'est... ouais. C'est au plus libyen, d'accord. On a Caralis, on a Lilibum, on a une petite flotte plutôt bien constituée pour un début. On va la ranger ici, on va pas perdre de temps ici, c'est la merde en tout cas.
On va aller voir Syracuse. C'est ce qu'on va essayer de prendre, hein, Syracuse. J'ai pas de mode, je vous le dis. Je n'ai mis aucun mode. Et je préfère rester comme ça. Je n'en mettrai aucun durant ce let's play. Tout simplement parce que je vois que quand on met des mods, c'est totalement n'importe quoi. Donc du coup, je préfère ne pas en mettre. Alors, d'accord, ici. Il y a des mercenaires qu'on va virer de suite. Oula. On a des petits mercenaires qui n'ont pas lieu d'être parmi nos armées. Donc voilà. On va recruter un petit peu partout, hein. C'est ce qu'on va faire. On va aussi faire un peu de bâtiment. À Ibosim, je ferais bien un charpentier maritime. Voilà. Ça bug toujours autant, mais un peu moins quand même. Avec les mises à jour, etc. Donc ici, on va mettre un champ de Mars. Non, ça s'appelle pas comme ça. Terrain d'incorporation. Oui, c'est ça. Et à dire aussi que c'est mon premier test avec un nouveau logiciel de capture d'écran que m'a proposé Virio. Parce que Virio et moi, on voulait faire des vidéos sur du Companion of Heroes, mais Fraps nous empêche de le faire tout simplement parce que merde je sais pas, Fraps ne veut pas enregistrer ne veut pas enregistrer tout simplement du Companion of Heroes. Donc du coup il m'a proposé Mirilis Action qui me donne l'opportunité de pouvoir vous présenter du Companion of Heroes, donc ça arrivera plus tard. Apparemment le mode Blitzkrieg ça ne marche toujours pas avec Mirilis Action, mais par contre le jeu d'origine ça marche, donc je pourrais peut-être vous proposer quelques petites batailles avec Virio. Donc là j'ai un petit accord commercial avec avec les pires, pardon. J'espère que ça durera. Hop. Ah oui d'accord. C'est quoi? C'est où plutôt? Ah, c'est ici que je peux faire un édit, d'accord. Oui, c'est logique. La Libye étant dans ma Sartapie, c'est assez logique. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Niveau des esclaves, c'est pas ce qu'il y a. Ça va. Donc, du coup, je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Réduit le déclin, c'est pas ça, non. Bon, on va faire ça. On va pas faire le plus 5 taux d'impôt, ça sert à rien. Quand j'aurai toute la région ici, je ferai l'édit. Je sais plus, l'édit de commerce. Voilà, stimulation commerciale. Je ferai cet édit là. C'est plus logique. Ça fait une bonne petite région commerciale, mais quand j'aurai tout pris. Donc on va passer notre tour, notre premier tour dans cette campagne. Donc voilà. Donc oui, comme je vous disais au sujet de Ménophoire, ça serait bien que vous me proposiez selon ces 5 factions, vous me donnez votre avis, vous me donnez un choix. Soit l'Angleterre, les Russes, les Japonais, les Allemands et les Américains. Ça serait bien. Agresseur, Gétule. Oula. Attendez, attendez, attendez. Alors. Donc oui, comme je vous l'ai dit, ce serait bien de pouvoir. Vas-y, si tu veux, pour l'instant on fait ça. Comme ça tu me donnes des sous, mais après je te redéclarerai la guerre, c'est pas trop grave. Tous ces petits coups de pute comme ça qui me fait marrer. Alors, donc oui, je vous disais, mettez-moi ce que vous voulez comme faction en commentaire, je prendrai la majorité. Il n'y a personne qui me donne encore d'avis. S'il n'y a personne, je choisirai moi-même, c'est pas grave. Je me prendrai un sacré vent. mais c'est pas grave. Alors. Marchand d'esclaves.
Je vais réfléchir, hein. Je réfléchis beaucoup plus à ce que je fais comme bâtiment, c'est très important. Amphithéâtre, oui, marché aux céréales, non. Donc on va faire ça. Ça me paraît très bon. Là-bas, au prochain tour, ce serait bien de faire ça. Ici à Lilibam, je me ferais bien un temple. Ainsi que la petite flotte, ce serait bien qu'elle parte là-bas, mais pas tout de suite. Ouais, ici, je levais une armée pour attaquer Syracuse parce que je vois qu'ils ont déjà quelques petites forces. Et donc, faut que je fasse attention. Oula, attendez. Combien? Ouais, 120, ça va. J'ai cru que j'étais au minimum au niveau des grandeurs de troupes, ça me faisait peur. Mais non, ça va. On va lever notre petite armée là-bas tranquillement. Ça va se faire. Donc ici, Ars et Tarraco. Ici, c'est pareil. Donc ici, qu'est-ce que je peux faire? Là, hop, je peux pas faire le champ de Mars. J'en peux plus avec le champ de Mars, c'est... On appelle champ de Mars pour les Romains et les cultures latines. Mais pour les cultures puniques, ce n'est pas pareil. C'est chiant. Rome est en train de détruire la Ligue Étrusque, ça fait que je ne peux pas faire d'accord commercial avec eux. Donc sinon, mes épisodes seront des épisodes de 35 minutes. Pas plus. À la base, c'est quand même un let's play de rattrapage, on va dire. Donc voilà, donc ça sera pas plus long que ça, mis à part bien sûr quand il y a une bataille, ça peut arriver qu'on va jusqu'à 40, 45. Ouais, ça peut arriver, mais normalement en moyenne, je me suis dit je fais des épisodes de 35 minutes et je ne dépasse pas. Donc voilà, donc on verra bien. Si je tiens parole. Alors, surplus de population, Corsica Concordia, donc Sardinia, pourquoi je dis Concordia, moi, je sais pas pourquoi. Donc ça c'est où à Caralis, d'accord. Ici on fait le terrain d'incorporation. Voilà. Ici c'est pareil, on fait ça. Et là, on va recruter parce qu'on a déjà des hoplites carthaginois. C'est une très très bonne chose d'ailleurs. Alors, ici, mise beaucoup sur la flotte, hein, j'ai l'impression. C'est ça le problème d'ailleurs. Bon, on va avancer les technologies militaires. Ça, je vais le faire au prochain tour. On passe le tour. On va passer pas mal de tours dans cet épisode. On est quasiment à la moitié de l'épisode en plus. Un peu moins. Je crois qu'on a. Il doit être à. Si, on doit être quasiment à 15 minutes. J'ai mis mon chronomètre un petit peu en retard. Donc là, moi je suis à 12. Donc je pense que je l'ai mis 2 minutes en retard. Donc on doit être à 14 minutes 30 à peu près. Alors, les Volks, toujours en dernier, les Volks. Quand je vois les Volks qui arrivent, je me dis toujours que c'est une bonne chose et que le tour a bientôt fini. Donc, je ne risque pas de forte. Je me dis que mon ennemi ne fait pas, ne bouge pas, donc c'est une bonne chose. Enfin, quand on est dans une situation merdique, je fais référence. Alors ici, donc là je fais pas mal de recrutement au niveau de Carthage, c'est très important. Donc ici c'est pareil, on va faire ça. On va faire pas mal ce genre de choses. Ici c'est pareil, il faudrait. Hop. Je m'en fous du général comment il est, il faut juste en mettre un. Comme ça l'ordre public augmente. Donc ouais, on a Nova Carthago aussi. C'est débile, mais. Je serais du genre à essayer d'exterminer tout de suite Nova Carthago, même s'ils font partie de ma Sartapie, parce que Nova Carthago, en fait, ils s'étendent, ils s'étendent, ils s'étendent, ils ont des armées monstrueuses au bout d'un moment, et c'est super chiant.
Et franchement, c'est vrai, c'est vachement chiant parce que dans ma campagne avec Rome, d'accord, dans ma campagne avec les Romains, mon let's play principal habituel, vous voyez très bien Nova Carthago, ils se sont étendus d'une manière vraiment massive, ils se sont étendus, ils ont pris la moitié de l'Espagne. Et j'ai fait une campagne avec les Arvernes de mon côté et ça donne exactement la même chose et en plus sans mode genre Major Faction etc. Sans tout ça donc du coup c'est vrai que ça fait peur un petit peu. Alors donc là mon revenu baisse un petit peu mais bon de toute façon j'ai pas le choix. Ici c'est pareil hop. Voilà. Alors ici c'est déjà un peu mieux. Je pense qu'ici je vais attendre un petit peu encore hein, parce que faut que bah voilà quoi, il faut que j'améliore un petit peu les masses et les séukis. C'est eux, pourquoi je veux pas perdre? Ah je crois c'est parce qu'il y a les Garamantes. Enfin je sais pas en fait. Pourquoi je peux pas. C'est vrai, il y a des fois on peut pas faire d'accord commercial avec telle et telle faction, on sait jamais pourquoi. Donc bah du coup des fois je me pose un peu de questions, on sait jamais. Alors on va venir voir les mes copains romains. Hé, mon petit espion, donc il va là-bas, donc j'ai envie de monter un petit peu vers le nord. Je vois que ils ont pris toute l'Italie, bon ils ont pas encore la région cisalpine je pense mais ils s'étendent plutôt vite donc ici ça va, je commence à faire une bonne petite armée, on a déjà pas mal de bonnes unités, on en a 5 ici, en plus on a des éléphants donc on a de quoi faire peur à nos ennemis. Alors le seul mode ouais, que j'ai, c'est un mode de carte d'unité qui est installé dans mes fichiers de jeu directement. C'est pas un mode que j'ai trouvé sur le workshop de Steam Rome 2. Du coup, j'arrive à l'avoir facilement. Enfin, j'ai pas besoin d'attendre qu'il se mette à jour pour l'utiliser. Ça, c'est une bonne chose. Mon jeu ne crache jamais. Vous voyez, ça fait quand même des belles cartes d'unité. Alors, donc ici ça se fait, c'est pareil. Donc voilà. Alors, on va juste faire ça. Niveau bouffe, j'ai pas beaucoup, c'est pas très bon. Alors, nous avons entendu parler d'un esclave gaulois dont les compétences orfèvres sont en train de devenir légendaires. L'acheter, tel talent devrait être mieux. Il est clair que ses propriétaires ne l'apprécient pas, on s'en fout. D'accord, donc je l'ai pris. Ça peut vous faire plaisir. Ouais, 2000 pour le faire épouser. Hein. Je peux pas encore me permettre de dépenser des sommes pareilles pour la politique. Ou pour tout ce qui est social dans mes généraux. Voilà. Donc alors, là, oula, j'ai de la bonne cavalerie. De la cavalerie carthaginoise. Ok, reviens voir des archers, je ne sais plus si les carthaginois, normalement ils ont des archers crétois, il me semble, piqué africain et une cavalerie carthaginoise. On va faire ça. Ils sont beaux les arbres, même si j'ai mon jeu est loin d'être à fond, ils sont beaux, ils sont beaux. Prochain tour à Ibosim, je vais faire un bâtiment pour de la bouffe. Oula, les petites légions romaines là, ils ont une bonne petite flotte. Ouais, je sais pas si c'est une flotte, je pense que c'est plutôt des navires de transport. Mais ils ont déjà quelque chose de pas mal. Hein. Faut faire attention, faudra les regarder de près. Les guétules,
pas de soucis. Par contre, des sous. Moi, je veux des sous. Je m'en fous. Ou que vous ayez pas de sous. Même un peu plus. Ils m'ont donné des sous. Toujours négocier un peu d'argent. Ça, j'ai gagné des sous. Le Gaulois dort. Le Gaulois continua de créer des œuvres esquisses. Mais une nuit, il brisa ses chaînes. Il se trancha la gorge. Ah, d'accord. Il trancha la gorge de son maître avant de s'enfuir. D'accord. Ah, par contre, mon revenu est en train de bien baisser. Alors, donc on va faire ça, un embarcadère, ça c'est pour tout ce qui est sous, s'il faut des sous-sous, sinon on va pas s'en sortir sans sous-sous. Alors, ici, on va faire de l'industrie et on va faire... Ah non, ah non, on va faire ça et au prochain tour je ferai ça qui m'apportera des sous. Alors, est-ce que je peux mettre un... Oula. Si je vais faire un agora, de toute façon, en faisant l'agora, je vais avoir la possibilité de faire des bâtiments qui apportent aussi beaucoup d'argent. Donc, de toute façon, ça reviendra au même. Allez, hop. J'ai peur que mon jeu il crache parce que tout à l'heure, hier, quand j'ai essayé l'épisode avec les jets, il a crashé. Donc, du coup, ça m'inspire pas trop confiance. Donc, ça va. Ça a l'air de bien enregistrer quand même avec Mirilis Action. Ça, apparemment c'est moins lourd que Fraps, donc du coup ça, comment dire, ça c'est censé me faire laguer un peu moins, ça, puisque Fraps prend beaucoup d'importance quand mon PC tourne, donc du coup c'est pour ça que c'est censé moins me gêner. Ok, où la population mécontente, c'est où? D'accord, oui, je vois ça tout à fait. Et alors, toi, t'es qui? Un mineur a découvert un riche dépôt de minerais dans les collines à proximité. On fait ça. Hop, voilà, comme ça on aura beaucoup plus de nourriture et en même temps un petit peu de sous-sous. L'ordre public se stabilise un peu partout, c'est une bonne chose. Donc ouais, non, on fera ça plus tard. On va garder, si possible, cet argent pour un petit bâtiment. Est-ce que je peux faire un bâtiment? Non, je peux pas faire de bâtiment, donc du recrutement. Ici, par exemple, on va faire des piquets africains. Voilà, toujours pas un petit peu de commerce, peut-être avec les Arvar. Non, peut-être un peu d'agression. Non, d'accord. Avec les Sécétani, peut-être. Ça m'étonnerait que je le puisse. Non, je peux pas, je crois, parce qu'il y a les détents qui bloquent le passage. Alors, avec la Cyrénaïque, peut-être. Non, ils sont pas du tout chauds. Pour la Ligue Étrusque, qui sont à moitié capoute. Ah, si, c'est bon. À mon avis, Alalia va pas durer longtemps, donc je sais pas si ça va vraiment servir. Avec les pires, peut-être, je peux faire un accord commercial.
Il me semblait en avoir eu un avec eux. Eux, ils ont tout le monde à dos. Ils ont Athènes, Sparte et tout. Ils ont tout le monde à dos. Du coup, ça a remonté un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu mon revenu. En même temps, j'ai fait un accord commercial avec la Légie étrusque, qui est loin d'être une bonne puissance militaire, qui est loin d'être une bonne puissance tout court. Sachant qu'ils n'ont plus qu'une ville en plus et ils se font assiéger, ils se font harceler, assiéger de partout par les Romains. Ils ont perdu deux villes, donc c'est logique que leur économie soit très basse. Vas-y frère, moi je veux juste tes sous. Oh là, faut leur faire attention, il y a déjà des sacrées armées ici. Bon, elle a été réduite son armée, mission envoyée, ok, faire un champion. D'accord. Vite en région cisalpine, vite, 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 vite. Je veux voir s'ils ont pris Patavium ou autre. Ah non, Patavium est toujours à eux. Alors, ici, il faut que je recrute. C'est quoi le bâtiment qui apporte le plus d'argent? Pour moi, c'est ça. Donc voilà, on fait ça. Et on fait ça. On va monter petit à petit cette armée. Voilà. Normalement, au prochain tour, je devrais avoir mon économie qui va monter, mais qui risque de descendre un petit peu aussi parce que je recrute. Mais sinon, j'ai fait cet embarcadère, il me semble, à Lilibum. Je sais pas si ça s'appelle toujours un embarcadère. Normalement, oui. On sait jamais. Bon, là, la Ligue étrusque a l'air de vouloir contre-attaquer. Elle se dirige vers Velatri, vers Néapolis. Petite contre-attaque. Oula, non, 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 non. Qu'est-ce qu'ils font, non? Ah oui, c'est parce que la Cécétanie est en guerre avec les Détans. Je sais pas comment on prononce. Et Détans, et Détans. Alors, les Massaélis, que je me fasse dans ma tête la petite carte. On va rentrer en guerre dans le camp de nos alliés, sinon. Pour ça, c'est nul parce que. On peut pas leur dire non. Ils pourraient juste nous proposer de rentrer en guerre avec leur ennemi. On pourrait dire oui. Mais là, si on dit non, on rompt carrément l'alliance. Oula. C'est que Nova Carthago se retrouve dans la merde. En fait, ils me demandent mon aide. Ils me prennent vraiment trop pour des commis, hein. Ils me prennent pour des commis. Ouais, mon revenu il a bien baissé. J'ai pu épire. Il y a pu épire. Par contre, Nova Carte avec les Massaélis là. Bim. Traité de paix. Ils me font plus confiance maintenant. S'en fout. Ouais, j'ai ma confiance a bien baissé, mais. En fait, si j'aurais su, j'aurais déclaré la guerre à Nova Carthago. C'est ce que j'aurais dû faire. En fait, les Gétules sont en train de les massacrer. Ça apporte de la bonne garnison aux plis de carthaginois.
Non. Ici, en fait, je sais pas c'est quoi ici. Le gros problème, c'est les taxes. Les taxes. Différences culturelles aussi, taxes, esclaves. Il y a des esclaves apparemment. Ah ouais, bah oui. On doit continuer de recruter, on peut pas s'arrêter, donc on va faire ça encore. Et je pense qu'après on ira attaquer peut-être une ville ici. Franchement, à mon avis, Nova Carthago, c'est fini pour eux. Ils sont réellement dans le caca, façon de parler. C'est pas évident une campagne avec Carthage quand même, parce qu'en fait je trouve que on a une bonne économie, mais on a je trouve que avec une faction comme Carthage, on a besoin de recruter beaucoup pour pouvoir s'étendre. Parce que on a pas mal de territoires à prendre en Afrique du Nord. Parce qu'on a beaucoup de. Oula, oh putain, il me déclare la guerre. C'est malin. Donc oui, on a besoin de beaucoup de troupes et de recruter beaucoup pour pouvoir se défendre, mais aussi attaquer divers territoires parce qu'il y a beaucoup de factions qui nous sont hostiles. Notamment la Cécétanie, les Hédétans, Nova Carthago qui est des fois assez vicieuse, et les Gétules, les Massaélis, les Garamantès. Etc. etc. Toutes les factions qui nous entourent, du moins. Alors, ferveur de la guerre. Capturer la colonie suivante. Syracuse, d'accord. Les insubres, les volques. D'accord. Alors, ça, toi tu vas venir ici, impérativement. En fait, le truc c'est que je sais pas du tout ce qu'ils ont. Oula, alors. Si je peux améliorer tout ça. Et ici, alors, faire... encore ça, encore ça, et encore ça. Et après ça, je la fais débarquer là-bas. J'espère qu'ils vont pas attaquer directement. J'aimerais bien peut-être gagner un peu de temps. Ce serait stupide. Non, ils sont pas du tout d'accord. Ça aurait pu me faire gagner du temps. Je suis digne de confiance d'un seul coup. D'accord. Bon. Avec les insubres, est-ce que je peux faire? Non, d'accord. Pas de soucis. Avec la Cyrénaïque, peut-être. En fait, ouais, c'est. Mon niveau de confiance, il est pas tellement haut. En fait, à lui-même, j'ai quoi? J'ai la mise soyenne, deux hoplites libyens et quatre de populace. Ici, c'est de la merde, entre nous. Et ici aussi. Les hoplites carthaginois. Oh, j'ai une sacrée force. Hein. Si Syracuse m'attaque, j'ai vraiment de quoi les retenir parce que l'armée qui se situe à Carthage est quand même vachement puissante. Pour le début, j'ai que des bonnes unités quasiment. J'ai mes éléphants en tant que pour mon général. Donc oui, j'ai dépassé le temps. Oula, ouais, ils ont une sacrée armée. C'est chaud, chaud de night. Ouais, ils ont une sacrée armée. Je vais devoir tout de suite débarquer. Heureusement qu'ils ont pas réussi à
à attaquer d'abord parce que j'aurais perdu l'île Baum et toutes les forces en présence. Donc par contre dès que j'aurai pris dès que j'aurai contre-attaqué ça se fera pas tout de suite là hein. Je pense que ça sera pour le prochain épisode. Traité de paix, il n'y a pas de souci. J'ai reçu un digne de confiance avec Nova Carthago. Ouais. De toute façon, franchement, ça sert à quoi de garder, de faire des trucs. Des. Comment on appelle ça? De faire des magouilles avec Nova Carthago. Alors que. Il ne leur reste plus qu'une seule ville. Donc là, par contre, je suis obligé de faire ça. Toi, tu vas virer sur le côté, par contre. Et toi, tu vas venir directement dans la petite ville. Oh putain, t'es parti où? Oh non, ça y est. J'ai fait la bêtise qu'il fallait pas faire. J'ai fait la bêtise qu'il ne fallait pas faire. S'ils ont. Ils ont pas mal de force quand même. J'ai vraiment fait ce qu'il fallait pas faire, je suis tout à fait déballé. Alors des enfants, je vais les enfants, pardon, pourquoi je vous dis les enfants? C'est moi, j'ai une erreur de frappe et ce qui va me coûter la perte de l'île Baum parce qu'ils vont m'attaquer au prochain tour. Je vais recharger ce tour-là et faire le déplacement normalement, à tout de suite. Donc voilà, j'ai rechargé ce tour. Donc c'est pas de la triche, hein. Y a pas de triche comme ça. On peut pas parler de triche. Donc du coup, on doit repasser ce tour normalement. J'espère que j'aurai pas de surprise. Donc on parle pas de triche, hein. C'est juste une fausse manipulation. C'est normal de devoir recommencer. C'est. Comment dire? C'est vrai que je me rattrape facilement. On peut faire ça souvent si à chaque fois que je fais une erreur. De recharger comme ça, mais bon, sinon on n'a pas fini. Ce serait pas réaliste là. L'erreur de déplacement comme ça serait pas réaliste. La perte d'une ville à cause d'une erreur de déplacement, ça n'existe pas. Du coup, pour moi, il n'y a pas de triche là-dedans. Voilà. Du coup, on reprend dans le normal et je vais essayer de me déplacer normalement. Ouais, c'est bon. Il y a la Libye. Il y a la Libye juste devant qui me sert de bouclier en quelque sorte. Ça va être facile, ça va. La dernière ville de Nova Carthago résiste vraiment beaucoup. Atru et les temps de Cécétanie. La Cécétanie a avancé. Faut essayer de pas faire la même erreur. Vas-y. Non. Une petite chose d'abord. Hop, on passe comme ça. Toi, tu vires sur le côté. Toi, tu viens ici. Allez, hop. Toi, tu bouges juste là. Faut que je fasse vraiment attention, hein, parce que c'est le genre de choses qui m'arrivent souvent. Hop, on fait tout ça en une seule et même armée, comme ça nous fait une puissante armée. Le petit général là. Oula, non. Voilà, toi tu restes là. Par contre, toi, si c'est possible, tu viens ici, voilà. Comme ça, là on est opérationnel, on a préparé le siège, on est tous prêts. Par contre, mon revenu est très bas. Nous sommes tous en caca. Hop, voilà. Alors, est-ce que je peux régler des petits problèmes? Pourquoi les Garamantes me déclarent la guerre? Franchement, entre nous, je n'en sais rien du tout. Voilà. Par contre, t'es toujours en guerre contre la Libye, mon petit gars. Je suis désolé pour toi. Alors, mes ennemis, il n'y a que Syracuse et les Turcs d'Éthènes. Ok. Donc ça va, il n'y a aucune menace pour l'instant vraiment, ça va.
Bon, par contre, ici, leur république sera réglée, comme ici surtout. Donc, enfin, c'est même une seule et même région, mais bon, on verra bien. Je pense que quand j'aurai monté le revenu ou autre, sachant que c'est la culture en fait qui fait que. Voilà. Alors, donc, je pense qu'ici, il y a des bâtiments, peut-être que je pourrais changer, mettre un temple pour monter la culture. Enfin, bref, on verra bien tout ça dans le deuxième épisode, mes gens. Donc voilà, donc j'espère que ce premier épisode vous aura plu. J'espère que ces let's play nous annonce plein de belles surprises. Je joue en difficile, donc j'ai augmenté un petit peu la difficulté par rapport à la première à mon premier let's play avec Rome et avec les patchs apparemment ce que m'a dit Cyrus et Virio c'était légèrement plus compliqué, la campagne était plus difficile. Ils avaient compliqué la chose, donc du coup ça s'annonce plutôt complexe pour mon côté. Donc voilà, donc bah merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi surtout quoi pour le let's play sur Man of War, c'est super important. Faut vraiment que je sache qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse comme faction pour ce let's play. Donc voilà, donc bah je vous souhaite de bien bonnes vacances pour vous. Si vous partez ou pas, moi en l'occurrence pour moi c'est pas le cas, je ne pars pas en vacances donc du coup j'aurai tout le temps de vous faire plein de belles petites vidéos comme celle-ci. Donc voilà, salut salut, à bientôt.